Not good. What's going on? Power's gone. Whole electrical system looks fried. Shit! What's happening? No power means we're going down. Hold tight. Will? I'm gonna need to eat soon. Nous avons pas beaucoup d'eau. Très peu en fait. Alors. J'avais dit que je voulais. Ah, peut-être qu'on va. On va voir. Parce que le problème en fait de ce qui va se passer, c'est qu'on va devoir travailler en intérieur pendant beaucoup d'heures. Et j'avais expliqué folie, etc. C'est pas top. Non. -19. -19, ok. Ah, ça m'embête, parce que je voulais... S'il faisait un beau temps, en fait, comme j'ai dit, on aurait pu faire un feu à l'extérieur. Donc ce qu'on va faire, on va juste un peu se balader, récupérer du bois autour du camp. Voir si ça s'arrange. Il n'y a pas de loup en plus. Hé, maintenant on a un arc. Sans flèche. Ouais, il fait très froid. Il n'y a pas trop de bois. Non, ouais, je voulais perdre un peu de temps à l'extérieur, mais je pense que ça vaut pas le coup. Ok, il y a la meute de loup ici. Je pense qu'on va rentrer et continuer notre... notre craft, en fait. Bon, on a quand même quelques... quelques branches, c'est pas si mal. Ouais, on va aller continuer notre craft. Comme j'ai dit, on va continuer avec les flèches. Et après, on va faire les moufles. Et après, les bottes. Enfin, les bottes, on verra ça plus tard, parce que peut-être qu'on n'aura pas... On n'aura peut-être pas encore les peaux. I'm getting weak. Voilà, alors... Ah si, si, j'en ai un sur moi. J'ai cru qu'on les avait tous fait. Non, non, j'en ai un sur moi. Très bien. Parfait. Ça, c'est bien. Plume de corbeau, pointe de flèche. Il n'a pas l'air de faire très beau. Elles sont où les pointes de flèche? Ah, elles sont là les pointes de flèche. C'est très bien. 1h05. Je vais encore retenter une, voire deux flèches. Voir si le temps, en fait, est mieux. Mais... Alors, je pense qu'on va passer une partie, une grande partie de la nuit à faire de l'eau. Ouais, on n'aura pas de journée, c'est bête. Parce que je voulais vraiment utiliser la... La loupe en fait. Je sais pas pourquoi j'avais ça dans la tête et je voulais vraiment l'utiliser aujourd'hui, mais... Parce que des fois, il faut un peu forcer le truc, j'ai l'impression.
Et dépêche, 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 dépêche. Yes. Ouais, c'est trop tard, ok. Alors, 6 flèches. Bon, c'est pas, hein, c'est pas mal, 6 flèches. On va pouvoir combattre, on va pouvoir récupérer des loups. Alors je pense, alors je vais le dire honnêtement, je pense pas tout montrer, les combats contre les loups, parce que ça va être sûrement chiant à regarder. Mais quelques-uns, peut-être en accéléré, ou quelque chose comme ça. Enfin, voilà, on va se débrouiller. Ça, non. Attendez que je regarde vite fait. Il y a les poissons à l'extérieur à cuire. Donc, ouais, on va faire un peu de... On va faire un peu de feu. Voilà. Non, parce que on va pas avoir... comment dire ? Pas avoir de chance pour la loupe, mais bon, comme j'ai dit, il faut des fois un peu se forcer à vouloir le provoquer. Après, bon, si le temps n'y arrive pas, on n'y arrive pas, hein. Mais ça aide énormément dans les longues survies comme ça. Ça va faire une très très grande différence de d'avoir essayé de essayer de faire en fait avec la la loupe. Parce que on garde les torches, du coup. J'ai du mal à finir mes phrases quand je suis occupé à faire quelque chose, en fait. Ok, on a 3 heures de feu, très bien. Ça, on va la recycler. On a 3 heures de feu, on va faire un peu d'eau directement parce que sinon on va être dans la merde très très vite. On va faire 2 litres. Et il nous reste plus rien là. Enfin presque plus rien. Et voilà, nous avons fait une journée, on a fait, enfin, une demi-journée. Donc nous avons fini les flèches, donc on en a 6. Ce qui est bien, j'ai refait une torche juste au cas où. Donc on en a 2 à 100%. Les pointes des flèches, on va les poser. Par contre, on arrive, c'est la journée, c'est un peu emmerdant, j'avoue. Donc on va devoir dormir une petite partie de la journée, c'est un peu triste, parce que c'est du temps perdu, hein. Mais voilà, après on va sortir, honnêtement je sais pas encore ce qu'on va faire, mais pff, on va se débrouiller, on va voir. Peut-être aller pêcher, je suis pas sûr, enfin on a beaucoup de nourriture de côté, donc on va voir, je vais réfléchir à ce qu'on va faire.
Allez, 8h, 8h. I would eat anything right now. I would eat anything. Nous levons. Ouh, buvons, buvons vite, vite. Alors, aujourd'hui, nous allons partir à la chasse. Oh, d'abord. D'abord, orange. D'abord, orange. On est bien. On est ordonné. Hein, la survie, c'est de la stratégie. C'est être ordonné. C'est être assidu. Hein, d'accord. On est d'accord. Je vais passer 2 heures à faire ça. Tout le monde va regarder. J'adore. Non, non, on va faire ça vite fait. Alors, on a eu de... On a pas mal d'eau. La dernière fois, on a fait pas mal d'eau. Donc, j'ai pas compté des bouteilles. On a combien? 7 litres, je crois. Quelque chose comme ça. Donc, c'est pas mal. 7 litres de réserve. Sur nous, par contre, j'ai peut-être trop enlevé. On a 2 litres. Ouais, c'est pas... C'est pas énorme. Oh, regardez. Regardez. C'est joli. Nous avons pas mal d'allumettes. J'aime bien faire un petit tour de ce qu'on a. On a les pots, etc. Et nous avons ça. Nous avons ça. Et on... Ok. Ok, on est bon. On en a combien de flèches au, dé... Faut... au final, on en a crafté combien? Je me rappelle plus. God. 6. Je sais, Torres, calme-toi. Ah, c'est pas énorme. Et on est à combien de kilos? Nous sommes à 27 kilos. Pourquoi? Il y a de l'eau impure aussi, il faut qu'on la chauffe. Ouais, c'est parce qu'on a ça en fait. Ravitaillement, est-ce que je mets tout ou pas? Hop. On met pas tout, on en garde un peu de côté. Voilà. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, c'est que nous allons tuer des loups. C'est parti. Alors, je sais, je suis pas vraiment sûr comment ça va se passer, mais l'optique, c'est de tuer des loups. Ah oui, il faut qu'on... Alors déjà, j'ai fait une erreur. Il faut qu'on aille récupérer de la viande. Parce que vous savez, on va faire un appât. C'est ce que je faisais à chaque fois. On arrive à côté du loup, on met l'appât par terre. Bon, par contre, je voudrais bien un petit appât. Je voudrais pas... Putain, merde. J'ai rien dans l'inventaire. Attendez. Parce que j'ai pas envie de me faire choper une viande à 800 et quelques calories quand même. Hein. Faut pas exagérer non plus. Donc. Hop, on va prendre ça sur nous. Voilà. On va prendre des boyaux, c'est bien. On va prendre des boyaux. Parce que les boyaux, c'est facile à récupérer. Surtout avec le coup des lapins, avec les pierres et tout ça. Donc, on va faire ça. Alors, est-ce que vous voyez quelque chose bouger? Il fait pas trop trop froid en plus. C'est parfait. On va se balader un peu de ce côté parce que je suspecte qu'il y ait des choses, non? Ou alors on va juste sur la glace. En fait, je voudrais aller pas dans la forêt pour récupérer du bois en même temps. Il est où ce con? Oh, il est juste là. Ok, alors attends. Il reste cool, Corentin. Wow, yeah. Oh, il fait pas froid en plus. On va peut-être pouvoir qu'une heure. La peau. Ok. Est-ce que...
57 minutes, c'est un peu chaud. Allez, je teste. Hop là. Très bon. On récupère ça. On récupère ça. Ça aussi. Est-ce que ça vaut le coup de... 30 minutes, c'est bon, je le prends. C'est dangereux de faire ça, c'est très dangereux. Parce que... Enfin, on peut toujours annuler s'il fait trop froid. Mais là, j'avoue que bah, ça vaut le coup parce que du coup, on récupérera la vie qu'on a perdue en dormant. Tout simplement. Et ben, c'était une très belle prise. Hein. Là, j'avoue que... Franchement, c'est bien. C'est bien ce qui s'est passé. Est-ce que beauté 45%, y a pas, on n'est pas gelé rien. On a perdu de la vie, certes, mais on va la récupérer. On va revenir allez, à 60 et quelques pourcents quand on va dormir cette nuit. Donc, il n'y a pas vraiment de problème. On a récupéré la viande. La viande, la fourrure, les boyaux. On a que demander de plus ? Honnêtement, que demander de plus? Donc déjà, ça fait un ours, un loup. Pas un ours, je serais content si j'avais tué un ours. Mais ça fait un loup de moins. Et on a tout récupéré. Voilà. Ouais, non, je sais pas. Là, alors là, waouh. Alors par contre, ce qu'on va faire, c'est qu'on va garder un boyau sur nous et on va s'en servir comme appât. Alors les boyaux séchés, alors, attendez, je pense qu'elle veut pas les mettre à terre. Ouais, elle veut pas les mettre à terre, les boyaux séchés. Par contre, maintenant, je viens juste de calculer, parce que c'est vrai qu'on a, en fait, on a de la viande, donc, même si c'est de la viande de loup, ils vont quand même la bouffer, en fait. Donc, oui. On va en mettre à l'extérieur, on va en poser un peu. Enfin, on va tout poser. Pour pas perdre. Hop. Tac, 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 tac. Donc ça vaut combien? Ça vaut 800. Voilà, c'est bien. Oh, les poissons. 1600. Ouais, ok, cool. On va... Qu'est-ce qu'on va faire? On va perdre un peu de temps. Le temps que le jour tombe. On va... Alors on a la peau, on a ça, on a ça. On va crafter. J'avais dit qu'on voulait faire les moufles. Alors ce que j'avais dit c'était moufles qui étaient bien pour nous et les bottes. Et après on n'a pas vraiment besoin de faire manteau, etc. Je crois. Alors attendez, plus 4%. Moi c'est le moins 15% en fait de sprint qui me fait peur. Et c'est 3 kilos. Là, on a plus 4%. Alors, plus 4. Alors, on a ça. On a plus 1,4. Et il est à... il est à 71%. Ouais, non, ça reste quand même... Putain, ça fait chier. Ça reste quand même très bien pour le froid, hein, mais... Moi, c'est le sprint hein, qui m'emmerde, hein, qui me fait vraiment chier. Quoiqu'à la limite, on s'en fout du sprint. Non, ouais, on va tout faire. Hein, on va tout faire. Boyau séché et combien de lapins? Séché 4. J'ai bugué. Je regardais le chiffre et j'arrivais pas à comprendre que c'était 4. Je sais pas pourquoi. Mon cerveau, il a bugué pendant une seconde. On a récupéré des plumes aussi. Je suis en train de regarder si j'ai bien récupéré toutes mes flèches. Oui, 5 et 6. Vous avez vu, on a tiré une seule fois une flèche. La flèche est quand même à 73%. Encore heureux qu'on on s'est pas loupé à les tirer par terre. Hein, parce que la durabilité, ça part à une vitesse. Mais c'est incroyable. Allez. Alors, on avait dit 4. 1, 2, 3... 4. Tout, tout,
Pourquoi je perds du temps à faire ça? Il va bientôt faire trop nuit. Je sais pas, parce que j'aime faire ça. On va utiliser ça. Là, on n'a plus le risque d'hypothermie, très bien. Alors, hop, une heure. Tout va bien. Hop. On va faire ça. Hop, encore un peu. Il va peut-être faire nuit. Quoi qu'elle. Est-ce qu'elle travaillerait? Non, ça va, ça, ok, ça marche. Ok, très bien. Très très bien. Alors, est-ce qu'on utilise de la lumière pour travailler? Alors, moi, je dirais à la limite non, parce que nous n'avons pas assez de lampes. En fait, le fuel, hein, c'est pas infini ce qu'on a. Et ça part très vite. Donc, on n'a pas assez pêché, on va dire. On n'a pas eu trop de chance pour la pêche, parce qu'on a eu des petits poissons. On a eu vraiment des très petits poissons. Et ben du coup, c'est chiant, quoi. Voilà, du coup, c'est chiant. Alors, est-ce que j'ai des vêtements? Attendez. Ah non, non, non. Oh, je suis fou. Mouffon peau de lapin neuf. Oui, mais en fait, on est en train de les créer. Oh putain, en cours. Excusez-moi pour le blanc. J'ai cru qu'on en avait trouvé. J'étais en train de... En fait, mon cerveau était en train de réfléchir. Où est-ce qu'on a trouvé des moufles de lapin? Parce qu'apparemment, j'en avais des neufs dans l'inventaire. Non, en fait, c'est celles qui sont en cours. Désolé. Je voulais voir si... Est-ce qu'on répare des vêtements ou pas? Parce qu'il fait pas... Elle est pas super fatiguée, en fait. Ce qu'il nous faudrait, en fait, ce que je voudrais, moi, là, c'est une... C'est une aurore boréale pour qu'on puisse continuer à travailler. Il fait même pas froid, hein. À la limite, c'est une aurore boréale que je voudrais bien... Alors attendez, oula. Attends, parce que toi t'es un peu. T'as l'air un peu méchant toi, non? Attendez, on va lui la jouer à l'envers. On va la jouer à l'envers. On va le tuer, enfin on va la chasser. On va le prendre par là, comme ça nous laisse un peu plus de temps. Attendez. Ok. Il est où? Ok, on est bon. Putain. Il est là. Ok. Chiant. Ah, ça c'est chiant ça. Il va à droite. Là on le distingue. Il continue à aller à droite. Il monte un peu. Putain, la vitesse. Je l'ai vu aller là-bas. Fais pas trop de buée, je vois rien. Ok, il est là. Il monte. Arrête de faire de la buée, je vois rien, Torres. Il commence à ralentir. Il est passé à droite. Il revient. Non, c'est pas ça, c'est ça. Il commence à boiter. Très bien. Tr
Très très bien. Très très bien. Ok. Alors. 40 minutes, est-ce que... non, ça va pas le faire. Non, 40 minutes c'est trop. C'est peu, trop peu. 14 minutes, 5 minutes. Ça, 20, 20... Non. Non, ça va pas le faire. Ah non. Et il nous faut du feu pour celui-là. Il nous faut du feu. This cold is making my head feel thick. Ok, et il fait combien? Il fait moins 15. Ok, on va sprinter. On va aller prendre... Attendez, parce qu'on va prendre des trucs sur le... Ok, cool, cool, on est bon. Oh putain, j'ai cru que c'était un loup. Oh la vache, c'est une putain de boîte aux lettres. J'ai complètement cru que c'était un loup qui était en pile en face de moi en fait. Incroyable. Ok, on va faire un feu. On va prendre un peu ce qu'on a en réserve. Par contre, faut qu'elle mange un peu parce que sinon elle va... On va en chier en fait. Niveau vie. Donc faut qu'elle mange. Faites voir un peu... 18 c'est passé. Il nous faut un peu de ça, un peu de ça. Pack is getting kind of heavy. Ok. Mais bon. On va prendre de la bouffe. De la nolitoule. On va prendre ça. On va prendre ça. Est-ce que... On va prendre ça juste au cas où. Il reste cool. Je sais, t'as froid, mais là, faut que tu tiennes, par contre. Je sais. Mais là c'est hardcore. Là c'est hardcore, Torres. Là, on est en mode hardcore. S'il te plaît, faut que tu tiennes, ma jolie. Putain, c'est loin, en plus. Bon, il est pas extrêmement... J'allais dire, il est super loin, mais au final, il est pas... Ça va, quand même. Faut pas exagérer, non plus. Alors, j'ai un peu peur. Faut qu'on boive, faut qu'on mange, faut qu'on fasse le feu. Et là, elle commence à être, évidemment, fatiguée. On se met là. Bois. Mange. Très bien. Prends ça. Ok, on allume. Très bien. On va prendre ça. On va mettre. On va faire là. Hop. C'est très bien. Ok, alors on récupère la peau parce qu'on en a besoin, on récupère la viande, je dirais. Qu'est-ce qu'on fait? On récupère tout. Oh putain de merde. Why didn't that work? T'énerve pas. Qu'est-ce qu'on fait? Alors je me dis peut-être qu'on coupe tout. Et on rentre à la planque avec une torche pour faire le feu dans la maison. Comme ça on est à l'abri. Mais... Le truc c'est qu'on est loin et qu'elle est déjà assez chargée. J'aurais peut-être pas dû prendre la viande avec moi en fait. C'était une erreur. C'était complètement une erreur de faire ça. Oh mon dieu. Mon dieu. Ce qui est embêtant, je voudrais bien faire tab pour voir un peu la vie. Je voudrais bien voir la vie de Torres là par contre. Ça m'inquiète. Putain, en très peu de temps, là, il s'est passé pas mal de choses. Là, deux loups, un qu'on a complètement dépecé, le deuxième qu'on est, on est en train... Ça se passe bien. Entraînez-vous à tirer à l'arc, je vous le dirai plus, jamais assez. Entraînez-vous à tirer à l'arc. Oh,
on augmente un peu la chaleur. Encore 4 degrés. Ça va. Ça, c'est bon. On augmente un peu la chaleur parce que sinon... Carcasse de loup, fourrure... Fourrure en 40 minutes. Ok, le feu tient. Ça se passe. On n'a plus le risque d'hypothermie. 30 minutes. Les boyaux. Très bien. On va cuire. Je suis en train de me demander, est-ce qu'on cuit tout d'abord et après on dépece, ou alors on dépece puis on cuit tout après. Vous voyez un peu mon dilemme. Mon dilemme. On va faire ça aussi. Heure de faim. Ok. Ta-da-da-da-dum, ça se passe bien. Tout manger. On va... On n'a pas besoin de... On va cuire. Alors, je vous le répète encore une fois, j'en avais déjà parlé. Alors donc là, on a mangé de la viande carnivore. La viande carnivore va à des vers en fait, est dangereuse pour la santé, mais j'ai remarqué à pas mal de jours tout ça, si vous en mangez un, par contre il faut en manger un gros steak, il faut manger un gros steak, si vous mangez genre 10 calories, vous allez avoir le même pourcentage que si vous mangez un truc à 500 000 calories, donc c'est ça le problème, mais par contre si vous continuez à remanger par dessus, ça va augmenter les pourcentages. Ah tiens, on a pris un niveau, cuisine, vous voyez, viande infectée 1%. Donc, si vous remangez par-dessus, ça va être un problème. Alors, attendez. Putain, c'est chiant. Je devrais faire de l'eau, en fait. Je devrais complètement faire de l'eau. Donc, ne pas faire ça, ne pas remanger par-dessus tant que vous êtes infecté. Mais moi, ce que j'ai vu avec 1%, normalement, vous allez pas tomber malade. Parce qu'il y a toujours le risque de tomber malade. Mais moi, j'ai remarqué que ça passait très bien. Donc, mangez un steak, dormez. Normalement, dans la journée, ça va partir. Et recommencez. Mangez d'abord, bien sûr, la viande de carnivore. Comme ça, de vous garder, en fait, dans un sens, la bonne viande de côté. Moi, c'est ce que je faisais. Ça se passait bien. Je pense que la carcasse, on va la laisser comme ça. On va faire de l'eau. On va en profiter. Bon, par contre, il va falloir dormir quand même une bonne partie de la journée. C'est un peu chiant. Mais bon, c'est pas grave. Ouais, non, je pense que le loup, on va le laisser. Un jour, peut-être, quand il refera bon, on ira dépecer le reste. Mais je pense que ça sert à rien de le faire, là. Une perte de temps, on a trop de nourriture déjà. Enfin trop, non, on a jamais trop, mais... On n'a pas de problème de nourriture. Allez, on y va. Et puis, ça nous fera un petit tas de plumes. Allez, on rentre. On fera un petit tas de plumes. Bah du coup on n'a pas trop utilisé de... des bois de recyclage, ça j'aime bien. On en a plus que deux, c'est pas très grave. Non, ça se passe bien. Ça se passe très bien là ce qu'on a fait. On a récupéré des steaks. Ah, c'est très très bien.
Voilà. Et voilà. Alors, regardons les torches. On a 36%, on la jette, on la recycle. Alors par contre, j'ai mangé un steak exprès pour pas perdre trop de vie en fait à l'extérieur, mais j'aurais dû attendre en fait. Le mieux évidemment, c'est d'attendre et de le manger avant de dormir, hein, évidemment. C'est pas, hein, faut pas sortir de Sciences Po pour savoir ça. Alors, chop, 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 chop. Ça. Peau de lapin séché, peau de lapin séché. Merde, c'était pas les... Attendez. Est-ce qu'on perd les peaux de lapin? Oui, boyaux séchés. Oui, il faut garder les boyaux séchés sur soi, en fait. Boyaux séchés, voilà. Hop. On est toujours en... J'ai pas perdu les moufs, quand même. Non, on est toujours en train de les construire. Non, ça, c'est très bien. J'ai eu peur, parce que des fois, vous avez... Peut-être que ça bug. Non, c'est bon, on est encore 3 heures. Très bien. Alors par contre, il va falloir peut-être manger, on va d'abord poser la viande à l'extérieur. Je crois qu'on va devoir encore remanger en 730 calories. Je crois que dans l'inventaire, il me reste encore de la viande, non? De la bonne, oui, 400, c'est très bien. Et ça, on le pose. Donc à chaque fois qu'on va perdre le pourcent d'infection, on va remanger par-dessus en fait. Voilà. Ça on prend. Et ça c'est la viande dangereuse. Voilà, c'est très bien. Ça c'est la viande dangereuse. Là on a du poisson. Enfin pas beaucoup même. On a quand même du poisson. Et là on a toute la bonne viande. C'est très bien. On va déposer le bois par terre. Et on est tranquille. Et après on va dormir. Alors là pendant longtemps on va perdre un morceau. On va perdre un morceau de la journée. Mais faut l'avouer, ça valait le coup. Ça valait mais alors largement le coup. Tac, tac. Tout jeté, très bien. Là on va mettre le bois. Est-ce qu'on a encore du bois? Oui, c'est encore 3. 3. On est à 29 kilos. Pourquoi on est à 29 kilos? Ouais. Peut-être que la journée qui arrive... Ah oui, l'eau. La journée qui arrive, ce qu'on va faire peut-être, c'est tout simplement crafter en fait. Voilà, 2 litres. Alors moi, je vois à l'intérieur. Je sais qu'on m'a dit que les gens des fois voyaient pas en fait dans les caves et tout. Dans les grottes et tout, j'utiliserai toujours de la lumière. Je me forcerai même si j'en ai pas besoin moi. Je me forcerai. Mais après quand on est chez soi, non. Je le fais sans lumière parce que faut pas exagérer quand même. La lumière c'est que ça court pas les rues. Mais voilà, vous inquiétez pas. On boit, on mange tout ça. Et on va dormir le plus possible. J'aurais dû faire l'inverse. On va faire ça. Et je pense qu'avec la journée qui nous reste, on va aller crafter, je pense. On va simplement crafter, en fait. Hop là, 12 heures, parfait. God, I have never been so hungry in my life. Nous nous réveillons en pleine forme. Donc la journée dernière... Oh, il fait presque nuit, c'est un peu embêtant quand même. On a dormi quasiment toute la journée. Voilà. Un peu embêtant. Nous allons nous avancer dans le craft. Alors, je préviens. On va voir si c'est intéressant ou pas ce qui se passe aujourd'hui. Sinon, au pire, si c'est pas intéressant, ce que je vais faire, c'est que je vais accélérer les choses, zapper, etc. Parce que je pense qu'on va faire que du craft aujourd'hui. Ça va pas être méga, méga excitant. En tout cas, nous avons 54%, c'est très bien. On est en pleine forme, ouais, on va crafter, puis après je vais sortir la nuit peut-être, voir un peu ce qui se passe. God. Eat soon.
Donc, nous sommes arrivés, nous sommes en pleine nuit, et il nous reste genre 50 minutes. Alors, on pourrait le forcer. On pourrait le forcer par allumer, mais on va pas le faire. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller vadrouiller, je pense. Ouais, je pense qu'on va faire ça. On va aller un peu vadrouiller. On va prendre une bouteille d'eau juste au cas où. On va prendre un steak. Et j'ai envie de vadrouiller en fait loin. Enfin, même prendre deux steaks. Du genre, peut-être aller prendre des lapins sur l'île. Alors attendez, on est toujours empoisonné, donc on va faire. On va prendre une. 84%. 66. C'est bon. Ok, ça marche. On va vadrouiller un peu à droite, à gauche. J'ai envie, oui, d'aller récupérer des lapins. Ou alors... est-ce qu'il fait froid? Il fait pas super froid. Ou alors aller crafter... sur l'établi qui est à l'extérieur, mais bon, c'est peut-être ça, c'est peut-être un peu trop en fait, parce que j'en demande un peu trop. Donc, je pense le coup des lapins, ça peut être quelque chose d'intéressant. Et après, on dort là-bas. Voilà. Alors, une chose qu'il faut qu'on fasse, et il faut vraiment pas que j'oublie parce que j'ai vu un peu les pourcentages vite fait, c'était un peu bas. C'est les... C'est tout ce qui est... outils. Je vois pas de loup, hein. Enfin, dans un sens, j'ai pas vraiment envie de les combattre, là, maintenant. Je sais pas pourquoi. Je me sens pas... pas apte. Ouais, non, j'ai pas envie. S'il vous plaît, évitons les loups, cette nuit. Non, je... On en a déjà tué deux, c'est déjà très bien. Et j'ai pas envie de retenter en fait. Je sais pas pourquoi, je le sens mal. Donc nous allons... voilà, récupérer des lapins si on peut. Et nous allons aussi... Ah oui, voilà, je parlais des outils. Excusez-moi, j'ai perdu ma pensée. Oui, il va falloir peut-être réparer les outils. Genre les limer, les aiguiser, pardon. Ça on connaît, ouais, ok, ça marche. Je vais juste double check, on sait jamais. Les aiguiser, réparer... qu'est-ce qu'on peut réparer? La scie, je crois. Un truc comme ça. Récupérer du bois aussi, je voudrais bien. Bien récupérer du bois. Pas un lapin, ça? Oh yes. Attendez. Yes. Ok. Bouge pas. Voilà, très bien. Je sais pas si vous voyez trop ou pas, mais bon. Il y a quelque chose ici ou pas? Non. On va aller à la maison pour pas trop avoir froid. Parce que je voudrais en fait récupérer le plus possible de vie. Pour... on récupère la pierre. Si jamais on part en fait... On a déjà un petit lapin, ça c'est bien. Calme-toi, putain. La fille qui se plaint toujours, quoi. On récupère ça, vite fait. Merde, je l'ai pas récupéré. Très bien, on fait des réserves. Torres, tu peux la boucler genre 5 minutes. Évite de me dire des choses tout le temps, quoi. Ça t'attrape un peu relou. On va directement rentrer.
Attendez, on va directement rentrer parce que sinon il fait trop froid. Ah, on a toujours notre abri. Ah, yes. Ah, igloo détruit. Ah. Eh oui, tempête. La tempête détruit les igloos. Eh oui. Ok. On voit pas grand chose. On voit pas grand chose, c'est pas grave. Alors, nous sommes toujours infectés. Donc c'est pour ça que j'ai pris une bouffe normale, enfin une non toxique. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire dans le bâtiment? On a encore des rideaux, on a du bois un peu partout. Ouais. Ok, on peut faire des choses, c'est bien. On va d'abord faire ça, comme ça on n'a pas besoin de voir la nuit, parce que ça elle peut le faire sans lumière.